Et salut à tous les mecs, c'est Cartman SP. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de Thune Ma Caisse version Xbox One. Et comme je vous avais demandé dans les commentaires de choisir deux véhicules que je personnaliserais dans l'épisode 2. Donc dans l'épisode 3, c'est toujours la même chose, hein. Vous mettrez toujours dans les commentaires ce que vous voulez voir. Donc dans l'épisode 2, j'ai reçu deux commentaires. Donc déjà, j'ai reçu deux fois la même voiture, la Massacro. On s'en bat les couilles. La Massacro et une fois la Adder et une fois la Jester. Donc la Massacro, je vais la personnaliser pour cet épisode 2. Mais par contre, pour la deuxième voiture, vu que j'ai eu deux choix différents, je vais prendre quand même la Adder parce que la Jester, j'aime pas trop. Donc n'hésitez pas à marquer pas mal de commentaires parce que là, j'ai eu que deux commentaires. Et le commentaire dans l'épisode 2, dans les commentaires qui aura le plus de pouces verts, sera la voiture que je personnaliserai. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est parti. Donc on va aller sur Internet. C'est bon. Donc ouais, legendarymotorsport.net. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors, on m'a demandé la Massacro. Donc la Massacro, je pense pas qu'elle se trouve là-dedans. Non, elle se trouve pas là-dedans. Je ferai la Adder après la Massacro. Donc la Massacro se trouve dans les dans ça, ouais, sur ce site-là. La Massacro. Ah, je sais pas où se trouve la Massacro, je vais quitter ça. Je vais retourner là. Ah ouais, débauché Massacro. En course, moi je voudrais bien l'avoir en normal, ce serait mieux. Massacro. Où te trouves-tu Massacro? La Massacro. Ouais, vu que je la trouve pas, je vais prendre celle de course. C'est pas grave, c'est la même, de toute façon c'est la même. Je vais prendre celle-là et je vais l'acheter tout de suite. Fantastique. 385 000, c'est pas si cher que ça, hein, pour une voiture de course. Donc, on quitte. Donc j'ai vu que, excusez-moi, j'ai vu que l'épisode 1 vous avait pas mal plu puisque je suis... Enfin, je dis pas que j'ai fait beaucoup de vues, mais contrairement à des autres vidéos que je vous propose, là j'ai fait pas mal de vues en un jour, je suis arrivé presque à 100 vues. Donc c'est plutôt pas mal et j'ai eu 12 likes pour un dislike, parce que j'ai toujours un dislike pour rien. En général, et c'est toujours dans toutes mes vidéos, j'ai toujours un dislike. Donc voici la Massacro, qui est super jolie. Je vais faire un petit peu le tour. Elle est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les dessins qu'il y a dessus. Donc c'est une course, hein, donc il y a des dessins de course, on va dire, dessus. Donc je vais toujours aller à Los Santos Custom pour la personnaliser. Ah, c'est bon parce que là elle me saoule un peu la radio, donc tout de suite on va aller à LS Custom ici et c'est parti. Donc à première vue déjà on entend bien le gros moteur qu'elle se tape. Elle est plutôt pas mal. J'essaie de faire une petite ligne droite. Donc ouais, ça se voit qu'elle est dans la panse cette Massacro là. Donc bon choix de personnalisation. Parce que franchement elle est plutôt stylée, j'aime vraiment bien. Donc voici, c'est une Daibochi Massacro, c'est une sportive en classe course. Plutôt pas mal, plutôt belle voiture. Bon, on va déjà la réparer déjà. Blindage. On va mettre un blindage à 100%. Pour les freins, on va mettre des freins de course. Même si bon, on est déjà en course. Pare-choc. Séparateur carbone, séparateur, séparateur. Je préfère celui-là, séparateur de course carbone. Et le pare-choc arrière, on va mettre un diffuseur arrière de course, c'est plutôt pas mal aussi. Moteur, on va mettre un bon gros niveau 4 à l'ancienne, les gars. Voilà. Échappement du titane, c'est plus stylé. Aile de course, vous pouvez voir les ailes de course, ça ressemble un peu à ça. On est de ceux-là. Le capot carbone, non, c'est horrible. Non, on va mettre ça, un capot ventilé, comme ça, c'est plutôt pas mal. Éclairage, donc les éclairages, on va mettre des xénons. Et kit néon, on va mettre des supports un peu partout, avant, arrière et côté. Couleur néon, alors couleur néon, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Couleur néon, on peut mettre du bleu, c'est plutôt pas mal en bleu comme ça. Ouais, bleu comme ça plutôt, ouais, bleu comme ça.
Et la plaque, on va mettre un petit jaune sur noir, ça me paraît beau. Peinture. Bon, on va la mettre en noir carbone, elle démonte tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est elle démonte. Arceau de sécurité. Sécurité course ou un arceau comme ça. Ouais, comme ça, ça me paraît plus beau. Vous pouvez voir à l'avant du véhicule, il y a une sorte de je sais pas trop quoi. Vous pouvez voir comme ça. C'est plutôt pas mal. Bas de caisse, deux séries en carbone, en deux courses en carbone, deux courses en carbone, on va mettre un aileron bas en carbone, aileron de course ou un GT. On va mettre un aileron de course parce qu'après un GT ça freine la vitesse, etc. En transmission, nous allons mettre une transmission de course tout simplement. Turbo, on va mettre quand même du turbo, même si ça changera pas grand chose. Type de roue, on va mettre des haut de gamme parce que bon, c'est une voiture haut de gamme quand même. On va mettre des carbone inferno. Elle démonte bien. Franchement, belle voiture. Noir. Faut pas changer. Accessoires de roue, pneus custom. Pneus à l'épreuve des balles et fumée de pneus. On va pas en mettre parce que bon, ça fait un peu kéké des fois. Et limousine. Donc voilà, pour la première voiture, la Daiboshi Massacro que j'ai personnalisée pour vous, les amis. Donc franchement, elle a de la gueule en noir carbone. Elle défonce. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour avant que je la ramène. Donc franchement, on sent vraiment bien le turbo. Elle a une bonne accélération, une bonne vitesse. Bon, déjà en accélération, elle est vraiment, vraiment très rapide. En accélération, je disais, elle est vraiment très rapide. Donc elle défonce, tout simplement. Donc franchement, moi, merci pour le choix de personnalisation parce qu'elle est vraiment bien. Très très bonne voiture. Très très bonne bagnole. On entend vraiment bien le bruit du turbo. Donc franchement, très bon choix. Merci pour la personne qui m'a dit de personnaliser la Massacro, même si bon, c'est en course. Donc on va retourner à mon garage à Vinwood. Bon allez, c'est parti les gars. En plus, elle tient bien la route, elle a une bonne adhérence au bitume, donc ça c'est plutôt plaisant. Parce qu'il y a des voitures, ils ont pas vraiment de tenue de route. Celle-là, elle a plutôt une très bonne tenue de route, je dirais. Donc voilà. Voilà pour la première voiture les amis, alors c'était la Daiboshi Massacro course. Et pour la deuxième, je prends la Adder tout simplement. La Adder qui est aussi une un très bon véhicule. Donc on va tout de suite aller chercher la Adder sur internet les gars. Donc Voyage et Transport, elle adore, je pense qu'elle se trouve dans Legendary Motorsport. Si je ne me trompe pas. Donc elle se trouve là. Donc on va la prendre en bleu, tiens. Pour changer un peu, parce que je prends pas souvent de véhicules en bleu. Donc quand même là ça coûte quand même déjà bien 1 million. Plus grosse, je crois que c'est la voiture qui coûte le plus cher dans le jeu. Mais normal en même temps c'est la plus rapide et c'est la référence à la Bugatti Veyron pour ceux qui connaissent. Donc voilà, elle m'attend dans mon garage, ma Adder. J'ai reçu un mail pour me dire qu'elle était là. Donc on va tout de suite aller la chercher. Et elle se trouve à côté d'un Massacro. Et je sais pas, il y a eu un petit bug parce que j'ai eu deux Massacro. Ok. J'ai eu la Massacro que j'ai commandée, puis celle que j'ai commandée mais j'ai personnalisée. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc la Adder, hein, vous la connaissez tous, elle est plutôt pas mal. Moi, c'est pas ma voiture préférée, même si c'est la plus rapide. En style, elle ressemble vraiment à la Bugatti Veyron. Mais moi, pour franchement, le design et le style, je préfère largement la Massacro et la Zentorno. La Zentorno et la Massacro, c'est les deux meilleurs pour moi. Donc, cette putain de radio de merde, on va la couper parce qu'elle va me faire péter les plombs sinon. Donc c'est bon, ferme ta gueule radio de mes couilles. Donc, alors, c'est parti, Los Santos Custom. Donc après, là, vous entendez déjà bien le gros moteur de la Adder. Donc je crois que si c'est le même moteur que la Bugatti Veyron, c'est un V16. Donc elle envoie quand même du bon bois, Benoît.
Elle est franchement, franchement pas mal, même si c'est pas ma voiture préférée dans le jeu. Faut dire que c'est quand même une très belle voiture, très très puissante, très très rapide. Et comme la vraie Bugatti Veyron, le moteur se trouve à l'arrière, donc ils ont pas fait les choses à moitié, Rockstar tout simplement. Donc c'est une Truffade, le vrai nom c'est une Truffade Adder, et c'est une classe super sportive les gars. Donc on va tout de suite la personnaliser, donc blindage, on va mettre un bon petit blindage à 100%, c'est parti. Frein, on va mettre un frein de course, normal. Moteur, bon on va la blinder parce que vous pouvez voir qu'en freinage c'est de la merde quand même. Reproche niveau 4, klaxon on s'en bat les couilles, éclairage on va mettre un petit phare xénon, on va rester sobre hein, parce qu'après ça fait trop kéké les gars. Donc jaune sur noir, tranquille. Peinture, alors en peinture, vous me connaissez tous, vous savez très bien que je vais prendre du mat et non je vais changer un peu. Je vais prendre du métallisé, alors du métallisé, on va la mettre en... Je sais pas trop quoi choisir en fait. Il y a beaucoup de rouge. On va mettre en mat quand même. On va mettre en bleu foncé, tiens, elle est plutôt pas mal je trouve. Et en couleur secondaire, on va mettre du noir. Ça reste plutôt basique, mais bon après c'est pas la... Voilà, elle est pas mal comme elle est là, hein. Je vais pas en faire de trop, parce qu'après ça fait trop dégueulasse sur les voitures comme ça. Donc des bonnes grosses suspensions à 2200 les gars, c'est parti. Transmission, donc on va mettre une bonne vieille transmission de course à 20 000. Comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Turbo 12500, histoire d'avoir un bon gros turbo. Les roues, alors là les roues on va mettre quand même du haut de gamme puisque c'est une voiture haut de gamme. Donc on va mettre des... Non. Ah ceux-là ils défoncent, les Carbon Shadow. Je sais pas si j'ai déjà mis mais en tout cas, très bonne voiture. Enfin très bonne... Très bonne jambe plutôt. Alors, on va mettre en rouge. Rouge plutôt pas mal. Accessoires de roue, des pneus custom toujours, dans l'épreuve des balles. Et là je vais mettre des fumées de pneus bleus puisque j'ai mis la voiture en bleu. Fenêtres, on va mettre des fenêtres limousine. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc on va tout de suite aller la tester les gars. Donc là c'est franchement j'ai pas fait une grosse voiture bien tunée, mais franchement pas besoin de plus pour une voiture comme ça, c'est suffisant. Franchement le gros moteur, vous entendez déjà bien le turbo. Ah bah, franchement elle envoie bien, elle envoie du bon bois là. Franchement y a rien à dire, très le moteur il est franchement agréable. Gros moteur, hein, c'est franchement gros moteur. Je crois même que c'est le plus gros moteur du jeu. Même si bon, pour moi c'est pas le préféré parce que moi j'aime bien les bruits de moteur. Donc pour moi c'est pas forcément mon préféré. Moi je me tourne plutôt vers la Massacro et la Zentorno. Donc elle envoie vraiment bien du bois là. Je vais essayer de vous faire une petite pointe pour vous montrer. Sans me s'enfoncer dans une bagnole, ce serait bien. Donc c'est pas grave, je me suis pris un poteau mais bon, c'est rien. Donc elle envoie du bois les gars, hein. Elle envoie du bois cette petite Adder. Hein. Donc on va jusqu'à mon garage, de toute façon c'est juste en face, donc comme ça c'est réglé. Le petit saut qui fait plaisir, aïe aïe aïe. C'est pas grave, on s'en bat les couilles, de toute façon elle va rentrer dans mon garage. Petit dérapage à la Fast and Furious nigga. Ouais. pro pilote dimanche. Donc franchement, très bonne voiture, la Adder, très bonne voiture, je vous la conseille. De toute façon, je pense que je vais pas vous la conseiller puisque tout le monde la connaît. Donc voilà pour cet épisode 2, les gars. Donc j'ai personnalisé la Massacro, la Daiboshi Massacro et la Truffade Adder qui se trouve ici juste à côté de moi. Et j'ai eu un petit bug parce que j'ai eu une deuxième Massacro, comme je vous ai dit. Celle que j'ai commandée, puis après, celle que j'ai commandée, j'ai été la personnaliser et ça m'a donné la deuxième que j'ai personnalisée. Donc, bon, c'est pas plus mal, comme ça me fait trop belle bagnole. Donc voilà les amis, si cet épisode 2 t'a plu, bah, tu peux laisser un petit like. Tu peux t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas commenter. Et je vous rappelle, commenter pour me dire ce que vous voulez voir pour le troisième épisode. Tu ne m'acquaisses pour les voitures que vous voulez voir tout simplement dans le troisième épisode. Donc voilà, je vous laisse sur cette fin. Portez-vous bien, salut à tous, c'était Cartman SP.